Bonjour. 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 Donc c'est Solidaire d'abord. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Jean-Claude Perron qui vient nous parler au nom de la FPS. Association France-Palestine Solidarité. Voilà, qui va venir un peu défricher le terrain, dégrossir, parce que bon, on a l'impression que le terrain est un peu miné. C'est ce que tu disais, Alain, si tu veux bien juste un peu en parler. On a l'impression que le terrain est miné. Oui, c'est un terrain, disons, compliqué. On a toujours peur même de fâcher les uns ou les autres. Nous, on a envie, disons, personnellement, j'ai envie qu'il y ait deux peuples légitimes, reconnus, qui est capable de vivre en paix, en amour et en harmonie, et de parler ensemble, quoi, et d'être reconnus totalement. Et en même temps, on est complètement sous cloche parce que à chaque fois que quelqu'un dit un mot, tout de suite, ce mot est instrumentalisé. On sent des passions derrière. On sent des passions et on a l'impression qu'on peut plus rien dire. On est complètement figé, etc. Alors, toi, Jean-Claude, tu as quelque part la chance, entre guillemets, d'être une personne référente sur le sujet. Donc tu vas pouvoir nous dire plein de choses, déminer. Enfin, toi, tu as le droit au moins. Oui. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent la première chose qu'on nous dit, c'est compliqué. En fait, ouais. Alors moi, par provoque, j'ai toujours envie de dire, c'est pas compliqué. C'est une guerre coloniale. Il y a un occupant, il y a un occupé, c'est simple, on est un oppresseur, un opprimé, c'est pas très compliqué. Bon, mais c'est par provocation, je dis ça bien sûr, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est quand même ça la base, faut pas perdre de vue ça. Parce que l'histoire, elle commence pas le 7 octobre. Ah, pas du tout, pas du tout. Elle a commencé il y a plus de il y a 75 ans, mais même encore plus longtemps que ça. Oui, on entend beaucoup, le 7 octobre, c'est le déclencheur. Déclencheur de quoi? Non, le 7 octobre, c'est une conséquence, surtout. Une conséquence d'une politique coloniale, d'occupation, d'humiliation, qui dure depuis au moins 75 ans, puisqu'il y a la création de l'État d'Israël. En 1948, mais même d'avant, puisqu'il y a un projet qui est de créer cet État d'Israël depuis la fin du Xe siècle. Donc on peut dire que c'est pas tout récent, que le 7 octobre n'est qu'une conséquence, la conséquence, certainement pas la dernière, de tout ce processus historique qui a lieu depuis tant d'années. Mais avant, bien avant, ils vivaient bien ensemble, tous ensemble. Ah ben oui. Alors, on veut pas dire, moi je fais pas d'angélisme, hein. Il n'y a pas les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Je veux dire, il y a surtout des sociétés qui vivent comme toutes les sociétés et qui, quand elles peuvent, elles vivent en harmonie. C'est possible. Avant 48, et même un petit peu après, suivant les régions, il y avait des amitiés entre les Palestiniens arabes et les Israéliens juifs. Hein. Tu parlais qui n'étaient pas encore israéliens à l'époque, ouais. Avant 48. Tu parlais d'un exemple familial, entre guillemets. Oui, hein. Oui, ma compagne qui est d'origine palestinienne, son père était médecin à Jérusalem, et avant 48, et après aussi, il a été ami avec des familles médecins juifs. Ils allaient, par exemple, pique-niquer le dimanche au lac de Tibériade de Jérusalem. Ils vivaient en harmonie, ensemble, il n'y avait pas trop de soucis, il n'y avait pas encore toute la pression qu'il y a eu par la suite, après la création de l'État d'Israël, et après donc... Ça a des conséquences même sur des peuples voisins, quelque part. Par exemple, moi je sais que pour certains Marocains ou pour certains Algériens, il y avait des Juifs et des Arabes qui étaient très proches, très liés, qui vivaient ensemble. Alors que maintenant, c'est peut-être plus compliqué. C'est plus compliqué, effectivement, puisqu'il y a une guerre coloniale, et donc il y a un colonisateur qui est l'État d'Israël. Effectivement, c'est plus compliqué pour vivre en harmonie avec son oppresseur. Tu as entendu peut-être que certains m'auraient repris, j'ai dit des Juifs et des Arabes. C'est-à-dire qu'on ne sait plus exactement d'ailleurs ce que c'est être juif. Est-ce que c'est être un peuple ou être une religion? Tu vois, je trouve qu'il y a une confusion aussi qui est amenée là-dessus. Donc au départ, c'est une religion. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une religion, c'est la religion juive. Ensuite...
les Juifs vont, bah, comme on sait, ils étaient éparpillés dans le monde entier. Hein, effectivement, en tant que religieux, enfin membre d'une religion. Ensuite, quand il y a eu cette la solution proposée la création de l'État d'Israël, qui d'ailleurs a été proclamée de façon unilatérale par Israël, hein, sans attendre l'avis des autres États, quand il y a eu cette création, le but c'était de faire revenir un maximum de Juifs là, sur place. Mais aujourd'hui encore, les Juifs sont plus nombreux à l'extérieur d'Israël qu'à l'intérieur. Il ne faut pas confondre juif et israélien. Israélien, c'est un habitant d'Israël qui a donc la nationalité. Si on peut parler de nationalité là-bas, parce que c'est compliqué, il y a la religion, l'appartenance, etc. Donc qui habite en Israël et qui vit en Israël. Et il y a de nombreux juifs, plus nombreux qu'en Israël, qui vivent à l'extérieur. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Hein. Quand on dit que, quand on critique la politique d'un État qui est l'État d'Israël, on ne critique pas les Juifs, on critique la politique d'un État d'Israël. Les Juifs, c'est autre chose. C'est... Alors, il y en a qui s'identifient avec cet État parce que c'est l'État des Juifs, d'ailleurs qui a été proclamé tel par la Knesset, par une loi, hein, dire que c'est l'État des Juifs, mais beaucoup de Juifs ne se reconnaissent pas dans cet État, y compris des Juifs religieux. C'est cet État qui se crée à un moment où, d'une certaine façon, on sent bien qu'il y a plein d'États qui se débarrassent des Juifs, d'une certaine façon, hein, c'est-à-dire, enfin, la question juive est réglée, on les aura là-bas. Mmh. Et puis, bon, d'autre part, c'est un petit peu la tête de pont de l'Occident qui met son pied, là, sur le Moyen-Orient, et qui peut, grâce à ça, avoir des visées sur tout ce qui est pétrole, etc., toutes les richesses locales. Oui, c'est vrai qu'après le partage de... après 1418, il y a un partage de l'Empire ottoman qui était démantelé et que ça arrangeait bien. Bon, il y a d'abord un mandat britannique sur cette terre de Palestine. Et ensuite, après la guerre 40-45, ça arrangeait bien l'Occident, les pays occidentaux, de se débarrasser et de se déculpabiliser du problème de la Shoah, qui était quand même une catastrophe pour un peuple qui a subi des conséquences extraordinaires, phénoménales. Et donc, se déculpabiliser en disant, voilà, on va leur trouver une terre, on va les mettre là, ils vont pouvoir prospérer. Et ça arrangeait bien tout le monde. Et en même temps, ça met un coin, disons, occidental, parce que beaucoup des Juifs qui sont venus en Israël viennent de pays occidentaux, des ouais. États-Unis, de France, enfin, d'Europe et d'ailleurs, quoi, des pays de l'Est, etc. Donc, c'est aussi mettre un coin un peu dans ce Moyen-Orient qu'on a toujours eu du mal à maîtriser. Ouais. Pour pouvoir asseoir peut-être une tête de pont, comme tu le dis. Alors, notre mission n'est pas si longue que ça, donc je suis obligé de venir à l'essentiel rapidement. Entre autres, il y a un truc que tu m'as dit tout à l'heure qui m'a interpellé quand on préparait l'émission. Tu as parlé de ces archives où Netanyahou, en 2019, parle de comment, en fait, il veut prendre le pouvoir, en fait, et comment il ne veut pas que l'État palestinien puisse se construire. Oui, c'est-à-dire que Netanyahou, aujourd'hui, il est au pouvoir depuis très longtemps, hein, mais là, il est au pouvoir avec une coalition extrême droite. C'est-à-dire qu'il a, pour pouvoir se maintenir au pouvoir, il a réussi à négocier avec des petits partis religieux extrémistes ou des partis de colons, pour pouvoir, d'extrême droite donc, hein, qui sont des racistes, des communautaires, quoi, vraiment. Et donc, il a réussi à trouver cette coalition pour pouvoir se maintenir au pouvoir, effectivement. Au jour le jour, ces colons font des actes délictueux en ce moment. Ah, mais depuis 75 ans, les voilà. Colons... Et quand on voit la carte telle qu'elle était à l'origine, à la création de l'État d'Israël, est-ce que c'est à l'heure actuelle, c'est phénoménal. Oui. Hein, oui, c'est-à-dire que petit à petit, ils ont tout colonisé. Ils colonisent partout. C'est-à-dire que même ce qu'on appelle les territoires palestiniens sont mités de colonies. Et rendre d'ailleurs la solution à deux États très difficile, sinon impossible. C'est-à-dire que vous avez des colons partout. Donc, comment créer un État avec Palestiniens, avec un mitage de colonies, un Boutoustan, comme on fait référence à l'Afrique du Sud.
C'est impossible, quoi. Et c'est vrai que la politique de Netanyahou, même avec son parti de Likoud, a été toujours été de tout faire pour que la solution d'un État palestinien ne puisse pas arriver. Oui. Et donc ça, c'est important. C'est ce qu'il disait en 2019 dans ses archives dont tu parles. Oui, oui, absolument. Le journal Haaretz, qui est un journal israélien de plutôt de gauche, a ressorti après, peu après le 7 octobre, une archive où on voit... c'est une archive filmée, où on voit Netanyahou dans une réunion à la Knesset des élus de son parti, des députés de son parti, où il explique la stratégie qu'il faut mettre en place pour arriver à faire en sorte qu'il n'y ait pas de possibilité de création d'État palestinien. Il dit très clairement ce qu'il faut, si on ne veut pas avoir d'État palestinien, c'est nourrir le Hamas, faire en sorte qu'il soit financé, le renforcer. On est sûr à ce moment-là que ça sera pas pour mettre des bâtons dans les roues à l'autorité palestinienne. Et c'est ça leur stratégie. Il parlait de stratégie politique. L'autorité palestinienne qui, à un moment donné, avec Arafat, etc., était arrivée à mener les accords d'Oslo. Hein, c'est-à-dire que théoriquement, c'était très loin peut-être, mais tout doucement, ça cheminait une solution à deux États. Oslo ne sont pas des accords. C'était un processus en vue d'un accord. Hein, un processus qui demandait à ce que chaque partie fasse des pas pour pouvoir arriver à une solution, un accord, quoi. Et donc, ce processus, ben, il a été bousculé par normalement, c'était prévu que la colonisation devait s'arrêter, elle s'est pas arrêtée. Il était prévu, enfin, il y a le problème de l'eau, qui est un problème essentiel là-bas, devait être mis sur la table. Il était carrément écarté. Enfin, donc, ben, les Palestiniens ont dû dénoncer cet accord en disant, c'est un jeu de dupes, quoi. Ce processus ne correspond pas à ce qui était prévu, et donc il n'y a pas d'accord possible. Et en favorisant le Hamas, ils ont empêché l'autorité palestinienne d'exister vraiment, en fait. Absolument. Ils ont cassé l'OLP. Absolument. Ils ont fait en sorte que le Hamas soit élu, hein, oui, démocratiquement à Gaza, au moment des élections, quand il y a eu des élections. Cette élection qui s'est passée de façon tout à fait correcte, parce qu'il y avait des observateurs internationaux qui ont dit que, bah oui, il n'y avait pas eu trop de magouilles électorales, il n'y a pas eu trop de détournement des votes. Il n'a pas été reconnu par le monde entier. Donc le Hamas a un pouvoir qui a semblé usurpé, alors qu'il était légitime, puisqu'ils avaient été élus. C'est le Hamas politique, hein, on parle bien du Hamas politique, qui est un mouvement politique. Il y a cette espèce de décrédibilisation de la possibilité d'exercer son pouvoir au Hamas. Hein, et donc de monter contre lui l'autorité palestinienne qui était privée aussi du pouvoir qu'elle aurait pu avoir. Voilà. Ouais, ce type d'autorité palestinienne a reconnu avoir perdu les élections à Gaza. Ouais. Enfin, moi, je sais que j'ai eu du mal parce que j'étais soutien inconditionnel de ce que je trouvais être complètement catastrophique, même pour l'humanité, qu'un peuple ne soit pas reconnu sur son territoire, quelque part, parce que c'est ça qui se passe. Hein. Et c'est vrai qu'à partir du moment où le Hamas se retrouvait à être le seul recours, puisqu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que ce soit comme ça, moi, j'étais plus frileux parce que, effectivement, on sentait bien qu'avec le Hamas, il pouvait y avoir des choses beaucoup moins claires. Le Hamas, c'est un parti politique, mais c'est aussi un parti religieux. Voilà, donc, il s'appuie sur l'islam, et un islam assez dur assez rude. Pour les femmes, etc., c'est pas évident. Hein, Donc effectivement, on peut se poser des questions aussi sur l'avenir des Palestiniens, qui pourtant étaient longtemps, qui le sont toujours, hein, en Cisjordanie et même à Gaza. Ils ont compris ce que c'était le Hamas. Ils ont voté parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, mais ils ont compris depuis ce que c'était le Hamas. Alors, pour finir, juste, si tu peux nous éclairer un petit peu sur ce côté victime qu'a toujours Israël, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, quand on regarde les images, on ne peut que se dire que à Gaza, il y a des victimes, là. Eh ben non, c'est toujours Israël qui tire la couverture à lui, oui, ça, par ça, rapport à la Shoah, sans doute. Ça vient de la Shoah, mais c'est justifié. Je veux dire, ils ont subi un désastre terrible que nous déplorons tous. Effectivement. Mais ça vient de là. Ça vient de là. C'est pratique, c'est facile d'être la seule victime possible et pas les autres. C'est-à-dire que, voilà, le chantage à l'antisémitisme qu'on nous sort tout le temps, c'est-à-dire que dès que tu mets un mot qui peut être interprété
on te dit « Ah, t'es antisémite !» Voilà. C'est-à-dire que tu es... Voilà. Et ce chantage-là, c'est, ça fait partie de cette espèce de volonté d'être toujours la seule victime, quoi. Alors que, comme je disais au début de notre conversation, il y a une guerre coloniale, un colonisateur, un décolonisé, un agresseur, des agressés. Bon, la victime, elle, c'est clairement, on sait où elle est, la victime. Ouais, mais malgré tout, on continue à nous dire, ah, taisez-vous, parce que les victimes, c'est, voilà, ce sont les Juifs. Ouais. Voilà. Et au nom de ça, on est obligé de tous fermer notre clapet. Mais non, on ne fera pas taire et on continue à le faire. On se réunit tous les samedis matin sur l'Agora d'Aubena pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ça, oui, et qu'on veut un cessez-le-feu, et qu'on veut que tout ça s'arrête, et que les 13 000 morts aujourd'hui, plus de 5 000 enfants, les enfants, des gamins, c'est quand même victime innocente, on ne fera pas taire, on continuera à dire que c'est pas juste. On avait quand même au moins 150, sans doute plus de 150 personnes encore samedi dernier, et tous les samedis qui viennent, venez nous rejoindre, on est là pour dire qu'on n'est pas d'accord. Alors, un autre sujet complètement, on va dire qu'il n'a aucun rapport, mais pourtant il a un rapport, on avait dit qu'on parlerait un petit peu du livret A. On parle du livret A. Alors, je vais vous rappeler un petit peu l'historique de ce livret A. Hein. Il a été créé en 1818, hein, donc, parce qu'on a tous un livret A. Hein. Je disais, au moment où on préparait l'émission, ce qui marque la culture française, c'est qu'on a tous pratiquement trois prénoms et on a un livret A. C'est à la naissance que ces choses se passent, hein, ou à la suite de la naissance. Hein. Ça remonte à 1818. Hein. Juste après la Révolution française. Tout de suite après la Révolution française, oui, Benjamin Delserre et La Rochefoucauld-Liancourt, donc, sont des gens qui vont créer ceci. Alors, Delserre, lui, c'est un industriel français, il est également banquier, alors c'est peut-être un peu pour ça, et il crée en même temps la Caisse d'épargne de Paris, c'est-à-dire la Caisse d'épargne aujourd'hui qu'on appelle la Caisse d'épargne Écureuil. Hein. Ouais. Donc, première Caisse d'épargne. Et qui, à cette époque-là, ne sont pas créés du tout dans un concept de banque comme on peut en parler à l'heure actuelle. Alors, c'est, disons, alors, à l'époque, je ne sais pas exactement quel était le statut juridique, mais en tous les cas, dans les années 1970, encore, les caisses d'épargne, qui étaient au nombre de 465, je crois, quelque chose comme ça, disons, étaient des associations. Ce n'était pas des associations loi 1901, mais c'était des associations. C'est-à-dire, elles n'avaient pas leur but, ce n'était pas de faire du bénéfice, c'était de collecter, disons, l'épargne du peuple, hein, à travers le livret A. Il n'y avait pas 50 caisses d'épargne qui pouvaient le faire. Il y avait la caisse d'épargne Écureuil, il y avait la caisse d'épargne postale, et puis c'était rattaché. Le crédit mutuel, qui est quand même une création plutôt récente dans le monde bancaire, hein, par rapport à la caisse d'épargne, hein, puisque je rappelle, 1818, hein, ça commence à faire. Voilà. Donc c'était les trois établissements qui pouvaient collecter cette épargne à travers le livret A. Hein. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il y a de différent avec une banque ? Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent avec une banque? Si c'était très, disons, il faut que je présente, disons, donc des personnages, hein, comme par exemple Jean Mingeot, hein, qui est qui est né en 1904. Hein, donc voilà, on progresse au niveau historique. Et il est l'auteur d'une proposition de loi en 1950 relative au fonds des caisses d'épargne, qui est dite la loi Mingeot, hein, et qui autorise les caisses d'épargne dans le cadre de la reconstruction et de la modernisation de la France, a employé une partie des fonds du livret en prêt bonifié aux collectivités locales et aux organismes publics. Hein. Donc les mairies peuvent emprunter par le biais de ces prêts Mingeot. Hein. Elles ont l'obligation, les caisses d'épargne, de faire ces prêts Mingeot, hein, ça fait partie de la loi, et à un taux intéressant. Et d'autre part, le bonus qui est fait par chaque caisse d'épargne en France, hein, doit être redistribué sur le plan local. Moi qui suis d'origine annonéenne, je me souviens, je mangeais à la Maison des Jeunes et de la Culture, disons, il y avait une cafétéria, et la cafétéria avait été construite, et l'ensemble du matos, hein, du matériel, disons, c'est-à-dire du moellon jusqu'à la fourchette, tout avait été financé par le bonus. Hein. Donc les financiers ne sont pas forcément des gens avec un concept néolibéral.
Parce que là, c'était pas pour faire du profit, c'était pour aussi faire des équipements locaux. Quoi. Tout à fait. À l'époque, c'était vraiment, disons, une redistribution. C'était, disons, cultiver l'épargne populaire. D'ailleurs, il y avait toute une pédagogie. Dans les écoles, il y avait des images, l'épargne scolaire. Les gamins, les instits, ça va leur rappeler quelque chose. Les vieux instits, les gamins achetaient des images. Enfin, il y avait toute une culture et une culture aussi à l'épargne, savoir épargner. Hein. Voilà. Donc là, c'est presque une culture de l'argent, mais de gauche. Oui, hein, oui, oui. C'est-à-dire, à la fois, il y avait, disons, cultiver l'épargne, il y avait une rémunération qui était assez modeste, qui a toujours été assez modeste sur le livret A, mais il y avait une redistribution après pour le peuple, c'est-à-dire, disons, pour la collectivité, hein, pour l'ensemble du peuple. L'argent, je sais pas comment dire, mis en commun, mais qui sert au commun. Voilà, qui est, disons, une justification pour tout le monde, pour tout le monde, pour la cité. Hein, oui, oui. Voilà. Pour le vivre ensemble. Et alors, après, il y a eu beaucoup de réformes. Hein. On a vu des rapaces arriver. Hein. Alors, l'un des premiers rapaces, mais il y en a sans doute d'autres avant, mais c'est DSK hein, qui a conduit en 1983, donc on progresse toujours au niveau historique, la réforme des caisses d'épargne en transformant cet établissement alors en établissement financier coopératif. Alors, il faut toujours se méfier des mots, hein, parce que ces gens savent toujours s'approprier des mots qui pourraient sembler généreux, coopératif. Hein. On se dit, tiens, c'est sympa comme terme. Hein. Mais en fait, ils modifient complètement le statut. Hein. L'état d'esprit n'est plus le même. Voilà. Et petit à petit, les choses vont se modifier. Et en 2009, Sarkozy, lui, deuxième prédateur, va ouvrir le livret A à l'ensemble du monde bancaire. Hein. Alors il faut bien voir que dans le monde bancaire, donc là on avait une association, et le monde bancaire c'est le monde privé, hein, c'est le capitalisme, hein, c'est pas du tout pareil. Donc si les banques veulent le livret A, elles le veulent pas pour redistribuer et faire des cafétérias pour la cité, hein. Oui, il faut que ça leur rapporte, business. Parce que le livret A pouvait servir pour le logement social par exemple. Il servait au logement social, c'était le but, hein, d'améliorer le logement social, donc toutes les partenaires comme ici à 10 ou tout ça, tu pouvais emprunter auprès de la caisse d'épargne. Et puis, à un moment, c'est plus ça, parce que maintenant, on est obligé d'aller faire court, hein, je sais pas, on a passé notre temps. Oui. On dit que le livret A va servir à l'armement. Qu'est-ce que c'est, cette histoire? Aujourd'hui, oui, disons, il y a une modification. Les ressources du livret A et du livret d'épargne populaire aussi, hein, ce qu'on appelle livret rose, ces modes d'épargne toujours très prisés des Français, donc, vont servir à financer la politique de défense, oui, du gouvernement d'Emmanuel Macron, un amendement au projet de loi de finances de 2024 que vient de faire adopter Elisabeth Borne, très arbitrairement et très autoritairement, à l'aide bien sûr toujours de son 49-3, c'est une vraie mitraillette hein, qu'elle a dans les mains, autorise en effet à puiser dans la manne de ses économies des ménages pour financer l'industrie de la défense. Voilà. Alors il y a vraiment de quoi vomir quand on voit l'historique et quand on voit la métamorphose horrible, disons, qui est faite. Donc, on peut les remercier, hein, de leur malhonnêteté, de semer le désespoir dans la longue marche du monde. Et tout ceci nous conduit, disons, au chaos, le monde rentre en... Alors, j'ai écrit une petite chose, le chaos du monde rentre en gare, hein. En voiture s'il vous plaît, crie le fonctionnaire, faut-il vraiment monter, faut-il vraiment partir, au fait c'est quoi la destination, chaos, crie une petite vieille, puis je crois, elle ajoute en s'excusant, je crois, mesdames, messieurs, car je n'ai jamais fait de politique, moi, je ne suis qu'une femme. Bon, allez, sur ces mots, on ne parlera pas toutes les brèves que tout le monde sent bien sous le coude, hein, les soulèvements de la terre, on a arrêté la dissolution, enfin, etc. Enfin, bon. Et Saint-Pierre-de-Colombier, tout ça. Et Saint-Pierre-de-Colombier, voilà, on n'a pas le temps d'en parler. Ben, il y a une victoire d'étape, mais il y a quand même une grue sur place maintenant, je te dis pas. Enfin, bon, voilà, tout est à chaque fois un peu biaisé quand même. Bon courage. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir.